Bonsoir à tous, c'est Aplixo, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Dishonored. Donc, on se retrouve au Handpit. Voilà, donc ils nous attendent comme d'hab, en fait, un peu comme d'hab. Ah, elle va me féliciter parce que j'ai sauvé son oncle, je crois. Un truc comme ça. Hop, bonjour. Il est en vie, oui. Merci, Corvo, merci. Mon oncle est un brave homme. Voilà, c'était bien son oncle. Il le prouvera. Tenez, je sais que vous avez agi pour les bonnes raisons. Mais je veux vous offrir cette récompense. C'est un vieil héritage que je tiens d'une de mes tantes. Ouais, c'est la famille, quoi. Les tantes, les oncles, tout ça. Alors, ça se trouve, il y a une histoire derrière et que je connais juste pas. Hein. Ça marche. Nous devons éliminer le Lord Régent et tous ses élus. Vous avez réussi. Vous nous avez débarrassé du grand superviseur Campbell contre toute attente. Je savais que vous étiez notre homme, Corvo. Avec Campbell en moins, le Lord Régent est grandement affaibli. Heureusement. Et avec Martin, nous avons le meilleur stratège possible. Le Lord Régent doit sûrement se faire dessus à Dunwall Tower. Oui. Et le journal de Campbell, ne l'oublions pas. Notre espoir, c'est que dans ces pages codées, nous puissions trouver l'emplacement et l'état actuel d'Emily Caldwin. Ces efforts seront vains si nous ne mettons pas le bon héritier. Sérieusement, sur notre... quelle est l'utilité de t'entraîner au tir comme ça? Nous devons faire vite. Le Lord Régent détient forcément Emily. Et c'est un simple coup, pas un deux coups ça. On s'en fout, c'est pas grave. Afin de renforcer sa régence. S'il ne s'affiche pas avec la demoiselle sous peu, la noblesse va s'entre-déchirer pour la succession de l'impératrice. Ça marche bien. Oui, le temps joue contre nous. Mais pour l'heure, allez vous reposer, Corvo. Nous allons déchiffrer le contenu du journal du grand superviseur et nous en parlerons plus tard. Allez donc, un peu de sommeil. Je sais pas si on va revoir l'outsider cette nuit. Je ne sais plus. Visiblement non. Alors, Amiral Havlock. Ah, non. Chaque voilà. Citoyen a le devoir de dénoncer tout propos ou acte séditieux. L'État a besoin de vous. Alors. Bonjour, Corvo. Martin ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Désolé de vous cueillir avec une nouvelle aussi étrange, mais les domestiques ont entendu des bruits cette nuit dans les égouts. Oui, il y a juste des géniards. Probablement un géniard. Oui, bah oui. Ils n'ont aucun espoir de survivre à ce stade. Ce ne sont plus que des cadavres grouillants d'insectes qui se traînent lamentablement. J'aimerais que vous alliez voir ça de plus près. Je ne voudrais pas que ce soit un garde un peu trop curieux. Voici une clé ouvrant les grilles. J'aurais pu envoyer un domestique, mais il en serait mort de terreur. Si vous ne voulez pas l'achever, Pierrot vous donnera un somnifère où tremper vos carreaux d'arbalète. Ouais, je ne veux pas le tuer, donc... Pierrot. J'ai plus d'arbalète, j'ai plus de carreaux. Pierrot. Je connais le Golden Cat. Corvo, cher ami, auriez-vous besoin de munitions? J'ai besoin, accessoirement, je pourrais aussi vous fabriquer de munitions là. Là, je suis un petit peu limité en carreaux anesthésio. Hop, donc les 10 carreaux. Qu'est-ce que je peux faire? Précision arbalète, portée, rechargement. Carreau anesthésion instantané, ça peut être sympa, sauf que j'ai plus le fric pour. On va faire un petit peu de loot dans le Hound Pit. Je vais essayer de régler ça quand même assez vite parce que c'est pas la partie intéressante. C'est pas la partie intéressante ici, c'est vraiment les petites missions entre les phases en fait. Alors, ici je pourrais remonter. Mais on va faire un petit peu de loot, voir si on peut trouver de quoi se faire les carreaux anesthésiens instantanés. Parce que ça peut être intéressant.
Je veux m'accrocher à la chaîne, s'il vous plaît. Ok, donc non, pas besoin de s'accrocher à la chaîne. On redescend. On va aller s'occuper du génieur tout de suite, ce sera fait. Qu'est-ce que j'ai en pouvoir? L'œil du ténèbre. Ouais. Ouais, ouais, il y en a deux. Dodo. Donc ouais, c'est bien des géniards. Mais surtout, une rune. J'ai l'impression qu'il y a autre chose. Oh, il y en a une deuxième juste ici. Très facile à rater. Je la connaissais pas. Très facile à rater. Le son t'a trahi, rune. Alors, je repasse en blink parce que je sais qu'il n'y a plus d'ennemis maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer ou pas ? Ça a pas l'air du tout. Bah bon. Alors, le blink, on va aller plus vite. D'ailleurs, on va changer ça tout de suite. Le blink niveau 3. Enfin, niveau 2. Niveau 2. Je sais plus compter moi aujourd'hui. Et l'agilité. Qui sont les deux pouvoirs très très utiles. Le blink niveau 2 qui nous permet d'aller vraiment très loin avec le blink. Ce qui est un gros 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 avantage. Hop, c'est ouvert. Ah, la truite démoniaque. Alors j'aime pas ces bestioles puisqu'elles sont plutôt dangereuses hein. Mine de rien elles font quand même beaucoup de dégâts. Alors je vais retourner voir l'amiral. Si je peux passer par les portes accessoirement. Voilà. Corvo, vous vous souvenez de Martin? Il était superviseur. Il le sera peut-être à nouveau. Je vous remercie. Ah, c'est lui qu'on a sauvé la nuit dernière. C'est vrai. Vous nous avez donné de l'espoir, Corvo. Nous avons trouvé ce que nous voulions dans le journal de Campbell. Vous avez réussi. Nous savons où Emily Caldwell. Ah, parfait. Au Golden Cat, de tous les endroits. Des bains douches pour aristocrates. À peine mieux qu'un vulgaire bordel. Mais il y a un petit problème. Il semble que les frères de Pendleton nous barrent la route. Les jumeaux, Morgan et Custis. Non seulement ils détiennent Emily... Mais il contrôle les votes parlementaires dont nous avons tellement besoin. Ok, bon. Oui, les Pendleton doivent mourir. Mais plus important, Emily doit être ramenée saine et sauve pour qu'on la protège. Jusqu'à ce que le Lord Régent et son entourage soient renversés. Ça me va. Pendleton vous attend sur le quai. Il a demandé à vous briefer en personne. C'est bien comme ça. Donc, on récupère 2-3 trucs... Normalement, on a de quoi faire un petit peu d'argent ici. Alors, porte blindée. Pourquoi une porte blindée? J'en sais rien. Un bouquin, non. Alors, je récupère de l'argent simplement pour pouvoir avoir les carreaux instantanés et refaire le plein de carreaux anesthésiants puisque j'en ai cramé deux. Vous avez de la chance que je vous garde. De la chance? Sans moi, tout tomberait en ruine en 10 minutes. Ah, vraiment? Vous ne pouvez pas me congédier. J'ai parcouru les livres de comptes ce matin et relevé 5. Oula! Heures. Très bien. Heureusement que je les ai repérés avant l'amiral. Donc, on a fait un petit peu de nettoyage. On retourne voir. Ne me prends pas. C'est bon, il m'a pas chopé au passage. Alors le bouquin là j'en ai rien à faire. Est-ce qu'il y a des trucs à piquer pour le marché noir ici? Un petit peu. Ça non. Pierrot. Corvo cher ami.
Auriez-vous besoin de munitions ou d'armes? Je pourrais aussi vous fabriquer quelque chose. J'espère qu'on a assez. J'espère. Tout pile. On cherche pas à faire une run sans être repéré. Mais le moins on sera repéré, mieux ce sera. Corvo. Allez. Corvo, j'ai à vous parler en personne. Je vous envoie assassiner mes frères aînés, Morgane. C'est quand même assez spécial de. Il nous envoie tuer ses propres frères quand même. Des hommes cruels. Ensuite, mes frères sont de proches partisans du Lord Régent. Et tant qu'ils siégeront au Parlement, il nous sera impossible de rassembler les suffrages nécessaires pour l'empêcher d'asseoir son pouvoir. Ces derniers temps, ils profitent surtout de leur position pour s'approprier les richesses. Ouais, bah normal quoi. Disons que les familles expulsées ou mises en quarantaine pour cause de contamination n'ont pas toutes contracté la peste. J'ai vraiment tout tenté pour les mettre en garde, ou peu s'en faut. Mais autant m'adresser à un mur. Ils seront qui vient de passer devant moi ce soir, à festoyer comme à leur habitude. Ils seront protégés par la garde urbaine. Ce ne sera pas une mince affaire. Allez-y, vite, avant que je ne change d'avis. T'aurais le droit de changer d'avis, mais je devrais te tuer. Mais t'as le droit, hein. Alors le double saut qui est juste génial. Je vous emmène au Golden Cat dès que vous serez prêt. J'ai déjà connu Lord Pendleton plus d'une fois. Hop, on y va. On met le masque. Je pense que cette mission devra se diviser en deux épisodes. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez long comme mission à cause de la petite parenthèse au One Pit. Vous dépose le plus près possible du Golden Cat, Corvo. Vous devrez vous débrouiller pour la fin du trajet. L'entrée est tout près d'Olger Square. Le principal, c'est de rapatrier la petite Emily. Avant qu'il ne c'est sûr que là, elle est coincée dans un bordel. Alors bon, c'est pas le meilleur endroit pour une petite fille de 10 ans. Pour entrer au cas, je dis ça comme ça. S'il ne vous tue pas. Ici, c'est son territoire. Avec son gang de Bottle Street, il se terre dans la vieille distillerie de whisky Dunwall. Ils vendent cet élixir qui permet de lutter contre la peste. Je fais profil bas, mais je guette votre retour avec la petite. Bonne chance, Corvo. Je sais qu'Emily compte beaucoup sur vous. Ah bah, je suis un peu le seul qui peut la sauver, donc oui, oui, elle compte un peu sur moi, là. J'ai croisé un batelier de ma connaissance hier soir. Il m'a dit que Clavering avait son propre mirador. Alors. Le chaos est faible normalement. Vous voyez, la tourelle qui est juste ici, faut faire un peu attention quand même. Hein. Accessoirement, pour ça. Ça explose un peu. C'est une croûte. Hop. Hein ? Tu m'as pas vu. C'est pas bien de pisser par terre. Allez, hop! On va le planquer. Très important de le planquer ici. Hein. Aïe! Forcément, et en plus, je me foire. Votre Donc. Attention, citoyen de Dunwall. Thaddeus Campbell, ancien grand supérieur. Hey, c'est justement toi que je cherchais. Slack Joe aimerait s'il aimerait me parler. Yep, c'était pas ça que je voulais faire. Ah là, je voulais ranger mon épée. C'est lui ? Ouais, lui-même. Et on va directement à la distillerie. Donc, c'est l'endroit que je vous ai pas montré dans la dernière mission, puisqu'il servait à rien d'y aller. Mais maintenant, ça sert à quelque chose. Alors, le cœur, il me sert à quoi ? Alors, je sais qu'il y a ici un charme d'os. C'est déjà ça. Je vais ranger mon épée avant que quelqu'un se dise que je vais lui exploser la tête. Ok. Du matériel, toujours prendre le matériel quand on peut. Pas trop, un peu, ça suffit. T'es pas au courant. Alors. Slack Joe se garde l'élixir premier choix.
Le nôtre est dilué dans trois fois son volume. Non, c'est pour que ce soit plus facile. Alors. Bah moi, je veux pas prendre de risque. Boire jusqu'au bout. Là, on pourrait passer, mais regardez, il y a un petit passage tout en haut qui nous rend les choses beaucoup plus faciles. Avec un plan juste ici. Je sais pas ce que c'était. La pâte incandescente, ok. Munition explosive probablement. Que l'on n'utilisera pas puisqu'on n'utilise pas les fusils. Qui font beaucoup trop de bruit et accessoirement tuent des gens. Et nous on tue personne. On ne tue personne. On les fait juste souffrir. Ce qui en soi finit par les tuer, mais bon, faut pas le dire. Ah, il y a de l'élixir là-bas. De l'élixir de mana. Toujours le récupérer. Donc. Les gars avaient raison. C'est vrai que vous avez l'air d'un assassin. Bah, je suis un assassin, c'est normal que j'en ai l'air. J'ai le masque. D'après ce que je sais, il n'y a personne d'important à tuer dans le coin, à part les deux Pendleton qui sont au Golden Cat. C'est ça, hein? Vous voyez? Je sais tout. Ouais. Ils sont jumeaux, de sales rupins. Pervers comme pas deux. Ils font profil bas au Cat, je sais pas pourquoi. La sécurité du Golden Cat a été renforcée ce soir. Mais détail! Va y avoir du gratin. Et vous comptez y aller habillé comme ça pour tuer les frères Pendleton? J'ai peut-être une meilleure idée pour les éliminer. Ah, voilà! Si vous me rendez un petit service. Donc, il nous donne. Quelqu'un, je sais. Il nous donne une façon de les mettre hors course sans les tuer. Vous allez très vite comprendre comment. Ça pourrait être un certain Galvani. J'ai envoyé mon meilleur homme sur cette piste, mais il a disparu et. Du coup, je voudrais bien savoir ce qui lui est arrivé. Allez chez ce Galvani. C'est près d'ici. Donc sur là, on va aller chez le docteur Galvani, moi, je vous ferai rentrer qui est au milieu de la grande place où on est passé. Enfin, on est passé en fait, on est complètement passé dessous. Mais c'est un détail. Alors, la remontée, elle est ici. Il y a toujours le charme d'os, mais je peux pas l'atteindre à cause des clés. Donc là on continue, hein, rien de très compliqué pour le moment. J'avais cru voir un truc briller. Non, je me suis trompé. Il n'y avait rien. Donc maintenant on a juste à rentrer tout simplement dans la maison de Galvani, ce qui est pas non plus le truc le plus facile, hein, faut le dire. Alors, Bottle Street. T'as quelque chose à fumer ou à bouffer? On va aller voir d'abord notre bon ami. Ah, je les avais oubliés ces deux-là. Bougez pas. Je les avais oubliés. Les assassins qui sont parmi nous. Les assassins sont parmi nous. Ow. Voilà, dodo les assassins. Dodo. Je vais essayer de les mettre hors de portée des rats, hein, mais bon. Parce que forcément, s'ils meurent, ils sont comptés pour nous. Vous voyez, lui, il vient d'arriver parce qu'il n'y a plus les assassins. Je les avais oubliés, ces trois-là, je les avais oubliés. Mais bon, vu qu'on fait pas une run sans être repéré, c'est pas très grave, on fait juste une run no kill. Tu les gardes, tu t'occupes d'eux, hein. Ils font que dormir. Si vous voulez jeter un œil à ce que j'ai trouvé, je vous ferai un bon prix. Ah bah si tu veux nous faire un bon prix, c'est cool. Les carreaux nest... Ouah, il les vend 100. Ah mais je vais en avoir besoin. Je vais en avoir besoin des carreaux nest... Le truc c'est qu'il les vend super cher. Monter sur les toits. Toujours un petit peu de mal à passer à ce moment-là. Voilà, le truc, ça va être de se mettre derrière lui et de le choper. Sans se faire remarquer.
Toujours le truc intéressant, c'est arriver à passer sans se faire remarquer ici. Si je tombe là-haut. Bonjour monsieur. Pause et on peut rentrer dans le cabinet de Galvani. Donc c'est pas très compliqué d'arriver jusque là. Tu l'as vu ? Surtout vu une grosse mare de sang. J'aurais bien aimé voir. T'as rien raté. Tu pourras toujours monter plus tard pour jeter un œil quand les deux autres seront partis. Alors. C'est là qu'on va utiliser ce pouvoir complètement cheaté de voir à travers les murs. Bon, c'était pas prévu ça. Ah. Surtout si je me foire comme ça, c'est pas gagné là. Vous allez saigner. Bon. J'utilise beaucoup trop de carreaux anesthésiants. Beaucoup trop. Il va falloir que je fasse beaucoup plus attention à ça. Je fais beaucoup trop de bruit. Là, deux là-haut. Qu'il a buté. Moi, celui qui a fait ça, je lui paye en verre. Mais tu vas mettre quoi dans le rapport ? Je vais dire qu'on a trouvé un homme de Slagjo à l'intérieur, dans une mare de sang. Et que t'es... les mecs s'envoient des fleurs, mais pendant tout ce bordel. Ah, c'est quoi ça ? Élixir de Pyro, parfait. Donc il y en a qui, alors, ils bougent, mais pas tout. Faut arriver à les trouver. En plus, j'aimerais bien qu'ils bougent dans l'autre sens. Oh 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 oh. Forcément, il faut qu'ils viennent sur moi. Ah non, c'est bon, ils s'occupent juste du rat. Ah non, il vient droit sur moi. Ah, je veux revoir. Cette vision fait un peu mal aux yeux quand même, faut le dire. Ça pique un peu les yeux. Bon, il est un peu violent hein, quand je pose les cadavres, mais comme d'hab. Hein. Ninja ! C'est débile, sérieusement. Le mec m'a pas vu quand j'étais juste sur le coin. Alors, on peut prendre les infos. Est-ce qu'il y a quelque chose à voler ici ? Non. Rien à violer. Rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est gênant. Mais bon, alors, ici on peut le voir normalement. Il y a des traces au sol. Mais bon, je le connais, le livre. Hein. Ça, c'est de l'argent. Ça, c'est surtout une rune. De l'élixir. Et on va refermer tout ça. Alors, très important, on peut ressortir ici. Je ne sais plus où ça ressort. Donc, on va essayer. Non, rien de... Non, c'est bon. Toujours prendre tout ce qu'il y a comme loot. Hein. Vu le prix des carreaux anesthésiens et vu qu'on en a cramé deux ici, vaut mieux en avoir trop que pas assez.
Non, là, on est un étage au-dessus. Voilà, on est tout en haut. On est tout en haut. On fait notre ninja, on passe sur les toits, comme toujours. Et on retourne à la distillerie, bien sûr. Puisqu'il paraîtrait qu'il a une façon d'éviter que l'on tue nos ennemis. J'avais pas vu qu'il avait ça, lui. Ah, tu transportes trop de munitions. Pas grave, donc. On va très vite. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non, il y a rien. Rien à part des bouteilles vides. C'est plus une ville. On retourne à la distillerie. Parler à Slack Joe qui va nous donner quelques petites infos. Une minute. C'est quoi le topo? Pourquoi je suis le seul à payer le topo? Hop là. Ferme ta gueule. Tu sais que j'ai du mal. Donc. Non, je peux toujours pas ouvrir la serrure. J'aimerais bien pourtant. Ça pourrait être pratique. Donc, Slack Joe, les derniers mots. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez des infos? Ah bah sur oui, un peu, il est mort. Je vous écoute. Sur une table, dans une grande mare de sang. Slack Joe, c'est moi, Crowley. Je te laisse ce message au cas où je reviendrai pas. T'avais raison. Il y a quelqu'un qui en a après toi. Il veut te prendre la distillerie, tout le gang de Bottle Street. Ah. Et tu vas jamais croire qui c'est. J'y croyais pas non plus. C'est pour ça que j'ai rien dit. Je voulais vérifier qui est là. Ah. Oh le cliché. Le mec qui se fait tuer. Alors, juste Crowley avant de révéler dommage. La vérité. C'était un de mes meilleurs hommes. Mais enfin, ça change pas notre arrangement. Slack John n'a qu'une parole. Voici la clé. C'est pas celle du Golden Cat, mais celle du Captain's Chair, un hôtel désaffecté depuis les ravages. Et c'est un passage très intéressant. L'escalier est monté sur le toit. Il communique avec celui du bordel. Vous voyez, Slack Joe tient toujours parole, tout comme les dirigeants de cette ville. Peut-être même un peu mieux, ouais, un peu mieux. Même beaucoup mieux. On devrait pouvoir reprendre notre collaboration. Je peux vous débarrasser des Pendleton, sans faire de vagues et sans les tuer, mais en échange d'un petit service. Toujours. À de soi. Et c'est là qu'on obtient la façon de tuer les deux Pendleton, sans même les regarder. Il y aura plein de rupins, dont un marchand d'art, un dénommé Bunting. Il a des goûts très particuliers d'après ce que certaines disent. Du genre très particulier. Et plus intéressant, il possède de vrais trésors. La seule chose qui me manque pour me les approprier, c'est la combinaison du coffre. Bien sûr, les Pendleton y ont aussi pris leur quartier depuis des mois. On sait pas pourquoi. Bref, il y aura des gardes de l'urbaine et d'autres. Mais c'est pas grave, ça. Donnez-moi la combinaison, mon ami masqué, et je règle leur compte aux Pendleton. Aussi sec, vous n'aurez même pas à vous en mêler. Et je m'engage à les faire disparaître de la circulation sans Moi, ça me va. Si ça, c'est pas une bonne affaire, Slack Joe sait même plus de quoi il parle. Tu sais que parler de soi à la troisième personne, c'est un peu bizarre quand même. Je dis ça juste comme ça. Bon. T'as trouvé quelque chose de bon ? On peut maintenant passer par l'hôtel, qui est un passage très 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 pratique, mais un tout petit peu dangereux. Un tout petit peu dangereux. Vous verrez pourquoi, je vous expliquerai. Mais sur ce, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne. Et sur ce, à dans la prochaine vidéo! Mon animal de compagnie pour cette colonie sera un renard. J'ai rien contre, c'est mignon. Mais je sais pas en quoi ça va m'aider, mais... Bon...